Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une nouvelle fois au bord de l'eau. Toujours la Sarthe, mais un spot un peu différent. Donc là, l'eau, elle a quand même vachement monté. Comme le dernier coup d'ailleurs, mais on avait eu vraiment très peu de résultats, très peu de touches. Là, hier, tu as eu des infos comme quoi c'est assez encourageant, notamment les zones d'amorti là, pour les cendres. Donc là, enfin, on espère toucher un joli poisson. Ça serait quand même bienvenu là depuis le temps qu'on insiste. Il y a eu quand même un joli poisson le dernier coup. Mais toi, Joe, quand même, t'en mérites un très joli même, je dirais. J'espère. Parce que franchement, on ne démérite pas, on y va vraiment, pas tous les jours, mais on sort très très régulièrement et voilà, on espère enfin un très joli résultat. Donc là, cendres principalement dans les zones d'amorti, on va essayer vraiment de les trouver, de les déclencher surtout. Ouais. C'est ça, visiblement, ce qui était dur les derniers temps. Le bon leurre, le bon coloris, le bon pattern, c'est ce qu'il va falloir qu'on trouve. Allez, on se retrouve s'il y a des fiches. C'est parti. Il est où l'arbre? Je peux lancer près du mur ou pas? Je crois qu'il lance là. Je me rapprochais un peu, je vais essayer le long du mur. Écoute, on verra bien. C'est que j'aime pas trop toucher le fond en fait. J'aime bien frôler le fond, mais j'aime pas toucher le fond. Oh! T'as pris de belle? Ouais. Bien. Pas très dedans? Il est neuf alors, on va le savoir. Ah bah c'est du... Mais c'était peut-être une perche. Ah, tu crois? Ça devait être une perche, j'ai pas de traces dedans. Poisson, c'est gros! Oh, super! Allez, comme ça. Ah, j'ai pas sur le bon coup. Ça. Je suis pas sûr. Oula. Pour moi, c'est un silure. Ça sent le silure, ça. Ouais. Ouf! Oh la tape! Bah tu m'étonnes. C'est un silure. Oh c'est ça. T'as piqué le bébé donc tu nous parlais la dernière fois. Je crois. C'est vrai là quand même, t'as oublié ou pas? Oui. Beaucoup? J'ai vu parce que ça c'est un peu, hein. Pas beaucoup mais. C'est parti. Pas un cendre, c'est sûr. Ah, la touche, je l'ai senti, c'est caractéristique d'un silure. Putain, l'enculé. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'il y a au bout, François? Merci. Un papa moustachu? Un papa moustachu. Cuir moustache. C'est ton truc ça? Ah j'adore. Comme je peux, mais. Ouais, faut pas qu'on laisse trop partir en plus. Est-ce qu'il va le sortir? Ça?
Ouh, sacré coup de tête. Ouh là là là. Mais déjà, t'as encore 20 minutes, mais minimum. Regarde, je collé au fond. Ah, je suis content, c'est ton tour ce coup-ci. Non. Ouais, bien, essaye de faire remonter là. Super. C'est un bon ? Pas mal. Tu le maîtrises ? Ouais, largement. C'est sympa. Ah ouais, je m'attendais plus gros que ça, tu vois. 1,70 je pense, à peine. Peut-être plus gros, je sais pas. Bah voilà, joli petit pépère, c'est pas un cendre, c'est sûr que c'est pas un cendre, un joli silure, je sais pas trop la taille, mais belle tête il et bien dodu, ouais. Mange bien, hein. J'avais faim pépère, hein. Ouais, ça fait plaisir de retoucher enfin un peu de silure là, parce que c'est vrai que cette année, je crois que c'est le premier de l'année, c'est mon premier de l'année seulement, donc il fait super plaisir et puis on va le remettre à l'eau tranquillement. Et essayer de trouver du cendre, si on peut. Allez. Voilà. Attends. Voilà, hop. Allez. On est bon. Poisson. Ah, c'est un pike. Ah, c'est cool.
Allez, rentre là-dedans. Ah, bon, enfin. Hop. Bah voilà pour les petits fiches de la journée. C'est pas gros. Une zone de calme, mais première touche là qu'on a. Ça risque d'être compliqué, à mon avis, il va falloir trouver les zones calmes et visiblement ici ils s'y tiennent. On va voir, on va essayer de redescendre. Allez, on va grandir. Ah. Pas capot, c'est déjà ça. Poisson, ça va cendre. Oh, ouais, oui, joli, cool, yes. Voilà, premier cendre. Enfin, c'était un peu compliqué. Il voulait vraiment, il a mis vraiment une belle tape. Voilà. 5 pouces bien roses avec des belles animations. Et voilà. Allez, on le remet à l'eau. Les couleurs. Allez. Ah. Excellent. Yes. Ce sourire en dit long sur les derniers jours là. Franchement, je m'en contente de ce petit cendre, il fait bien plaisir. Là. Vu les journées capot qu'on s'est tapé, bon, c'est encourageant. Allez, on continue. Comme vous aurez pu le voir, une semaine quand même plutôt compliquée. On espérait avec Jonathan que la montée des eaux fasse bouger les poissons et fasse voilà, monter les poissons dans la zone d'amorti. Ce qui était quand même le cas, mais c'était vraiment très 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 difficile à déclencher. On a vraiment eu beaucoup de mal à toucher des poissons et c'était vraiment pas mordeur du tout. Donc heureusement que ce silver était là pour un petit peu réveiller cette semaine là. C'est le premier de l'année que je touche. Donc ça fait quand même vachement plaisir de retoucher des silures, ça met des super combats, surtout sur du matériel un petit peu léger comme ça, là où je cherchais le cendre en 25 cm en bas de ligne. Donc vraiment je me suis régalé, on a bien réussi à le voir, donc c'était vraiment un super moment, avec voilà ce petit brochet et ce petit cendre de toucher, mais voilà, des temps un peu compliqués, un peu difficiles, un peu de mal à trouver des poissons actifs. Mais bon voilà, j'espère que ça va se décanter dans les jours à venir là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à y lâcher le petit like qui fait toujours bien plaisir, n'hésitez pas à lâcher un commentaire dans l'espace juste en dessous, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était François pour Fishing Road, salut !